Oh, quelque chose ne sent pas bon. Salut, je m'appelle Enid. Faisons un câlin, ma chérie. Tu n'aimes pas les câlins? C'est pas grave. T'as l'air plutôt morose. Impatiente pour ton premier jour au lycée? Salut la nouvelle. Et toi, monsieur les gros yeux? Enid, regarde la balle. C'est bien, tu veux jouer? Cours! Alors, petite vipère, est-ce qu'on fait connaissance? Hé, les gros yeux! Fais un câlin à notre directeur. Hé, mercredi, assieds-toi. C'est occupé. Waouh, quel canon! C'est l'amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cette nouvelle fille est vraiment bizarre. Hé, mercredi, on n'a pas besoin de manuel scolaire ici. C'est un lycée de monstres. Peu importe. Les élèves, le sujet de notre classe est de créer votre propre monstre. Mettez-vous au boulot. Je vais coudre un message d'amour secret. Ajoutons des pattes d'araignée. Et décorons avec du slime. Le mec de mes rêves a des crocs. J'ai terminé. J'ai un Sonic maléfique. Et j'ai un loup-garou de princesse. Voyons voir. Voici vos notes. Le cours est terminé. Oh, Eric, j'ai fait ce monstre pour toi. Je dois assister à une convention de vampires. Tout ça pour rien. J'ai compris. Un message d'amour de mercredi. C'est pour moi? Comme c'est gentil. Allez, le dîner est sur la table. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que ce sont des yeux? Ça va. Le punch aux yeux le plus frais de toute la région. T'en as pas envie? Ces élèves sont pourris gâtés. Je vais perdre du poids alors. Ma nourriture. Je suis folle de tous ces trucs. Est-ce que je peux manger maintenant? Les élèves sont vraiment sauvages. C'est bon. Comme c'est embarrassant. Oh! Ce burger est quelque chose d'autre. C'est mon burger! Prends-le-moi! Arrête de toucher à ma nourriture! Tu es si collante! Enfin, mon burger à l'ail! Oh non! Il a été volé! Merci beaucoup, la chose! Hé, Eric! Oh, coma à l'ail! Oh! J'avais oublié l'ail. C'est ma chambre? Non, trop coloré. Viens ici, ma chérie. Beaucoup mieux. Quel cauchemar! Mais qu'est-ce que t'as fait à notre chambre? Qu'est-ce que c'est? Une belle plante? Lâche-moi! Au secours! Recrache ma main, saleté! Oh, qu'est-ce que c'est? C'est adorable. Est-ce que tu es... Non, mais j'aimerais bien. C'est impossible. Rien n'est impossible. Je vais t'aider à devenir un vampire et à sortir avec ton béguin. Première étape, obtiens la morsure parfaite. Deuxième étape, tu peux marcher en vous tenant la main. Mais je ne peux pas. Oh, comme ça, d'accord. Oui, c'est pas loin. Ça va marcher. Et le plus important... Un baiser? Oh non! Les baisers, j'aime pas ça! Joyeux anniversaire, Eric! Ouais, bien sûr! Wouhou! Merci pour les cadeaux, les filles! Maintenant, rapprochez-vous! Je vais prendre une photo! Encore plus! Faites un câlin! Et voilà! Le flash! Eh bien, voyons... Oh! J'ai absolument oublié que c'était un vampire.
Alors, comment ça se présente? De quoi j'ai l'air? Oh, super mignon! Maintenant, souffle les bougies et fais un vœu. En fait, j'ai eu 180 ans. Oh, je veux dire... Ouf! J'ai fait un vœu. Et si j'essayais de devenir un vampire? Allez, mange ton gâteau, le chanceux! Ou mords-moi! C'est trop lumineux ici. Mes yeux de vampire ne sont pas habitués à ça. Éteins les lumières. Ne refais plus jamais ça, Eric. Aujourd'hui, jeune monstre, vous passez votre test final. Tenez, seuls ceux qui réussissent ce test pourront aller au bal. Est-ce que c'est clair? Absolument. C'est ma chance. On va être en couple au bal, c'est sûr. Mais je ne sais rien du tout. Aïe. On doit l'aider. La chose, tu peux faire le test d'Eric. Je démissionne. Les questions sont débiles. Je déteste les tests. De quoi tu parles, le serpent? Sérieusement? Mais comment ose-t-il? Bizarre. Bien joué, la chose. Eric, à plus. Je suis stupéfaite. C'est très bien pour toi. Tu vas aller au bal. Un à plus pour moi. C'est dingue. Eric, tu veux aller au bal avec moi? Bien sûr. Ça a marché. Ça, c'est pour toi, mercredi. Des fleurs? Je ne suis pas une fille à fleurs. Oh non, je suis tellement stupide. Bien sûr, elle n'aime pas les fleurs ordinaires. Oh, ça c'est un bouquet parfait. Merci. Content qu'il te plaise. Si on allait danser. Waouh, ma chanson préférée. Waouh. Mais qu'est-ce qu'il a? Il faut arrêter cette crise de danse. Je sais ce qu'il faut faire. Hé, Eric! Oh, oh, oh! Tape là, ma belle! Bon travail! Oh, Eric! Tu es si détendu! Recule, la chose! Mais qu'est-ce qui est en feu? Qui a mis le feu ici? Mercredi? Et voilà, ça a encore échoué! La fête est gâchée! Mes petits méchants sont contrariés! Que tout le monde sorte d'ici. Vous êtes exclus de mon lycée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, regarde! Silence! Ne pleure pas. Quelqu'un s'approche de la maison. Oh non! Baisse le ton. Cachons-nous dans le grenier. Attrape la fille. Et vas-y. Je ne monte pas là-haut. Chut! Suis-moi. Je déteste les greniers. Voilà. Joli. Oh non. J'ai oublié la fille. Je vais t'aider. Ne me touche pas. Ce grenier est à moi. On est arrivé. Cet endroit est plutôt sympa. Oh. Ellie, hey. Où es-tu, ma chérie? Te voilà. C'est un super double nœud, ça. Comment emballer un cadeau? Hey, Tom. Quel idiot. Quoi? J'ai démêlé la corde. Où est Ellie? Je vais l'appeler. Elle ne décroche pas. Qui appelle? Maman? Oh non, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu fais? J'envoie un SMS. Brenda, t'es un génie. Ouais, je sais. Ellie va bien.
T'inquiète pas, détends-toi. Où est la fille? Elle s'est enfuie. À l'aide, aidez-moi. Ma puce, on va t'aider. Maman est partie. Génial. Du scotch? Non? Très bien. Je me sens bien aujourd'hui. Maman a pris la voiture. La maison est vide. Au boulot. Quel est le code du coffre? Hors de question. Je dirai rien. Allez, bébé. Aide-nous. Où est-ce que c'est écrit? Oh! Quelqu'un donne un indice. Quoi? C'est le mot de passe. Une sorte de code. Les amis, vous pouvez nous aider à retrouver le mot de passe? Donnez-nous la bonne réponse ci-dessous. Merci. Eh bien. Waouh! C'est tellement chic. Je veux dire, regardez tous ces trucs. Quelle chaussure je vais choisir? Celle-ci, celle-là, c'est ce que je pensais. Un gâteau? Non. Hé, mais comment se fait-il que tu sois si triste? Allez, souris! C'est tellement puéril. Quoi de neuf? Hé, Tom, je suis pas très à l'aise, là. Tu peux me détacher? Ouais, bien sûr. Oh, ça fait du bien, vraiment. Très bien, tu peux m'attacher à nouveau. Ok. Retour à notre performance. Oh non! Maman va bientôt revenir. T'as entendu ça, Lisa? On doit se cacher. Je ne vous laisserai pas entrer dans le grenier. Maman va vous trouver. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire, Brenda? On a des problèmes. Range ta chaussette et cache-toi. Qui est-ce qui m'appelle? Allô? Oui? On fait quoi? Partons par le balcon. Ok. Oh, on dirait qu'il va y avoir de l'orage. J'en avais aucune idée. Désolé. Tais-toi, le génie. Tais-toi ou t'es fini. Ouais, on est riche et on peut dépenser notre argent. Votre commande. Vous êtes sûr que c'est votre enfant? Bien sûr, c'est notre fille adorée, notre petit trésor. Vraiment, vous vous ressemblez pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Regardez, on est identiques. Ouf, c'était pas loin. Ellie! Ellie, tu es là? Oh, mon Ellie, maman va te retrouver. Oh! Voici le café. Ellie? Excusez-moi, vous auriez vu ma fille? C'est qui cette personne avec le sac? C'est pas Ellie? Sûr? D'accord, je vais continuer à chercher. Ça a marché. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Je dois prendre les choses en main. Je sais. Tom. On va la faire chanter. On a votre fille. Brenda, tu es un génie. Un nouvel Einstein. Comment t'as trouvé ça? Il nous faut une photo. Je m'en occupe. Souris, Ellie. Jolie. Montre-moi. Non, j'aime pas ça.
C'est quoi ce truc volant? On a votre fille? C'est pas possible. C'est forcément une farce. Patience, partenaire. Et si c'était vrai? Ils ont envoyé une photo. Waouh, mon Ellie est déjà si grande. Ils ont kidnappé mon bébé! Police! Enfin, elle a compris. On est prêt pour descendre. Attends, non, remonte là-haut. Il y a la police. Regardez, voici notre bon vieil ami le kidnappeur Tom. Il sait très bien que ce qu'il a fait était mal et il n'a pas l'intention de retourner à son ancienne vie. Félicitations Tom, ton bon comportement t'a permis d'être libéré plus tôt. Voici ton certificat de prison honorifique. Tu vas nous manquer. Bonne chance là-bas Tom, viens nous rendre visite. Waouh, ma nouvelle vie commence aujourd'hui. Quoi? Ce sont elles, la mère et la fille qui m'ont mis derrière les barreaux. Ma nouvelle vie peut attendre. La vengeance d'abord. Oh non, c'est lui! Attends, mademoiselle! Taxi! Oh, ramenez-moi à la maison, s'il vous plaît. Oh oh! Tu ne rentreras pas chez toi, bébé. Salut! Bienvenue dans ma caverne à moi, ma petite. Félicitations! Mais comment oses-tu? Maintenant, tu es ma prisonnière. Laisse-moi sortir! Je vais appeler la police! Arrête de te débattre! Waouh! Quel mec génial! Oh, qu'est-ce que je fais, là? Eh bien, on doit t'attacher plus fermement. Waouh, la façon dont il manipule la corde est juste... J'adore. On se réveille, Ellie. N'écoute pas ses pensées. Il t'a kidnappé. Oh, quelque chose est coincé dans mes dents. Burke, c'est tout sauf romantique. Mais je suis sous le charme. Hé, hey, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh, c'est horrible. Quelle tragédie. Comment je vais m'en sortir? Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? On se calme. Racontez-moi toute l'histoire. Mon émission de télé s'est mal terminée. C'est une tragédie. Ok, je vais attendre le prochain épisode. Ok, officier, c'est ma fille qui a disparu. Vous devez la retrouver au plus vite. Quoi? Encore? S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon Ellie. Bien sûr, bien sûr. Je vais envoyer son dossier directement dans les dossiers urgents. C'est bon? Commençons. Oh, c'est l'heure du déjeuner. Attendez une seconde. Passons à la demande de rançon. Oh, il est tellement beau. J'espère qu'il prépare une surprise pour moi. Ce papier est inutile. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, il m'a donné des fleurs. Tom, est-ce que tu m'aimes? Je le savais. Recule, collante. Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qu'il prend? Voici ton dîner. Allez. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Un dîner romantique pour deux. Assieds-toi, bébé. J'ai tout prévu. D'accord, une seconde. Mon Dieu! Quoi? Je le sais, on sera la meilleure famille du monde! Quoi, mais réveille-toi, Ellie! Je suis ton kidnappeur! On ne va pas devenir une famille! Quoi? Docteur, un thérapeute de couple, c'est le seul à pouvoir nous sauver! Il nous faut une thérapie! Hein? Quoi, un thérapeute? Mais réveille-toi! Ouf! Rien de tout ça n'est arrivé! Je suppose qu'il est préférable de jeter les fleurs dans l'autre sens. Le mot est terminé. $1 million pour Ellie. Il demande une rançon d'$1 million. Mais j'ai pas autant d'argent, officier. Qu'est-ce qu'on fait? Faisons des origamis.
On peut lui tendre une embuscade. Je vais sauter et le faire tomber sur le dos avec quelques mouvements de Kung Fu Panda. Regardez, j'ai fait un oiseau. Oh non, on est foutus. Mais non, madame maman. J'ai une caisse pleine d'argent. Et un traceur. Il nous mènera au kidnappeur. Le kidnappeur prendra la valise. Et ensuite, on l'attrape. C'est plutôt cool. Commençons l'opération. Super. L'appât est prêt. Voici ma rançon. Merveilleux. Le signal est en route. Suivons-le. Allons-y. Le tracker est tellement bête. Pourquoi on tourne en rond? Le tracker doit être cassé. T'avais le traceur avec toi depuis le début? Voici à quoi ressemble l'odeur de la richesse. Waouh, on est riche! Donne-moi l'argent. Il m'appartient. Mais aujourd'hui, c'est notre anniversaire. 10 jours de prise d'otage. Où est mon cadeau? Joyeux anniversaire, Ellie. Voilà pour toi. Waouh, tu es si attentionné. Merci, mon chéri. Une photo Instagram. Je dois me vanter auprès de mes amis. Mon cher kidnappeur est si gentil avec moi. Félicitations, chérie. Oh, Ellie a posté une nouvelle photo sur Insta. Je like. Oh, je dois la retrouver. Vous auriez vu ma fille. Elle a disparu. Désolée, non. Coupé. Alors, comment s'est passé l'enregistrement? Des reporters. À l'aide, ma fille a été enlevée. Oh, est-ce que je suis bien coiffée? Je suis prête pour l'interview. Où est-ce que je me mets? Hé, les amis, ma fille a été enlevée, mais j'ai l'air superbe, non? Qu'en dites-vous? Cette histoire est ennuyeuse. Interview terminée. Hé, mais attendez! C'est super important! Hé! D'accord. Attendez-moi! Tom! Tom! C'est bon, j'en ai marre. Allez, viens. Je vais te rendre, tu es libre. Salut! Ouf! Quoi? Encore toi? Allons-y. Tracker, allez, fonctionne! La police est ici. Voici Ellie. Tout le monde sera content. Ne bouge pas. Maintenant, Ellie ne reviendra plus. Ouf! Je me suis assuré que tout ça est bien sécurisé. Quoi? Mais comment t'as fait ça? Salut, mon cœur. Très bien. Si tu ne pars pas, toi, c'est moi qui vais partir. C'est bon, j'ai fait mes valises. Salut. Au revoir, la maison. Plus d'Eli. Je me demande où il m'emmène. Oh non, ils m'ont retrouvé. Arrêtez. Il n'est pas coupable. C'est moi qui l'ai enlevé. Celui qui fera du mal à Tom aura affaire à moi. Tu es prête à tout risquer pour moi, Ellie? Ellie... Oui, mets ça. Allons-y. On ne bouge plus. Encore en retard. Vous êtes tellement ennuyeux. Enfin à la maison. Laisse-moi t'attacher, bébé. Oh, Tom, mon rêve est devenu réalité. Oh non. Et ma mère? Elle doit être tellement inquiète. Je ne peux pas lui faire ça. Maman doit me chercher dans tout le pays. Et elle me manque tellement. Ma maman. Tom, où es-tu? Il m'a vraiment largué? Oh non! Dernière nouvelle, le kidnappeur Tom s'est rendu à la police. L'arrestation a été spectaculaire. Personne n'a été blessé parce que j'ai un bon karma. Mon Tom, est-ce qu'il m'a laissé un mot? Je vais essayer d'être meilleur pour toi. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Et je vais personnellement garder un œil sur vous. Vraiment? C'est incroyable. Reste concentré, Ellie. Voici notre plan. Tu assommes le garde, je lui arrache ses clés. C'est compris? Voici ta batte. Allons-y. La liberté nous attend. Allez, bouge-toi. Juste un instant. Et... vas-y, utilise toute ta force. Tu vas y arriver.
Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, mouton, c'est sans espoir. J'aurais bien besoin d'un petit encas. Mais j'ai rien à manger. Où est mon téléphone? Oh, Ellie, regarde, il y a une licorne. Où ça? Voici le téléphone. Allô, livraison? Je veux la plus grande et la plus délicieuse pizza livrée en prison. Je vous attends. Hé, Ellie, regarde, un dragon. Où ça? Tellement crédule. Livraison de pizza pour Nicole. Ça fera 20 dollars. Merci. Quoi? Mais très bien. Oh, waouh! C'est la pizza la plus savoureuse de tous les temps. Non, Tom, ne fais pas ça. Cette pizza n'est pas à toi. Une toute petite et puis ce sera bien. Ça m'emmène au paradis de la pizza. Où est ma pizza? Hé, le livreur s'est perdu ou quoi? Oups, j'ai mangé toute la pizza. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, voilà une idée. J'espère qu'elle ne remarquera rien. Nicole, voici ta pizza. Ah, enfin. Merci, ma précieuse pizza. Quoi? Hé, le monstre gourmand! Qu'est-ce que t'as fait? Qui a mangé toute ma pizza? Hé, viens par là. Allez! C'est les marques de tes dents sur les bords. Admets-le, ça va pas bien se finir tout ça. Nicole, s'il te plaît, ne lui crie pas dessus. Très bien, tu l'as sauvé, Ellie. Tu es bien trop gentille. Ah, est-ce que le garde regarde ailleurs? Je peux creuser un tunnel et m'échapper. Ouf, creuser un tunnel, c'est épuisant. Il me faut une pause. Oh, une fleur! Je vais te sauver en te plantant dans cette terre. Allez, grandis la fleur, tu vas vivre! Qu'est-ce que c'est? Mon tunnel est en train de fleurir? Qui a fait ça? Hé! Hey, c'est toi qui as fait ça? C'est une serre ici ou quoi? Maintenant, je suis de retour à la caisse départ. Mais j'ai un plan B. Allô? Officier Tom à l'appareil? Oui, j'arrive, monsieur. Bien, bien, bien. Voici ce dont j'ai besoin. Une clé non surveillée. Je vais t'atteindre, ma providence. Aide-moi à la feuille. Allez, j'y suis presque. J'y arrive pas. Oui, un élastique à cheveux. Je suis un génie de la prison. Attends, je suis si près. Oh non, j'ai vraiment pas de chance. C'est un coup de poignard dans le dos. Comment faire? Pauvre Nicole. Il faut l'aider. Attends, petit échauffement. Prête. Qu'est-ce que tu complotes, Ellie? Tu vas voir. Je vais t'aider. Ouais, Ellie, bien joué. C'est bon, apporte-moi ça. Ouais, ouais, ouais. Oh non, non, non. Ellie, t'as tout mélangé. Reviens. Voici ton attache à cheveux. T'étais triste quand elle était tombée. Merci, tu es vraiment bête, mais gentille. Oh, qui a laissé cette clé dans le coin? Bizarre. Mon tunnel est enfin terminé. Une grande ouverture. Adieu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nicole, où es-tu? Ok, j'y vais. Où suis-je? On dirait que mon tunnel se termine sur une île déserte. Oh non! Il y a des gens! Tu peux aller chercher une boisson pour moi? Il fait si chaud. Tiens, Nicole! Incroyable! Hé, rentrons!
On ne peut pas s'échapper d'une prison. Non, jamais. Va derrière les barreaux, toi, si tu le veux vraiment. Moi, je me détends.